Bien bonjour à tous. On va parler dans une série de vidéos du jeu Level 7 Omega Protocol, un jeu que j'ai depuis un certain temps maintenant. J'ai fait quasiment tous les scénarios, enfin il m'en manque deux dans la boîte de base. Ça a pris du temps puisqu'en effet le jeu se joue plutôt à plusieurs, hein. En solo c'est un petit peu compliqué, bien que vous verrez tout à l'heure. Je ferai un début de mission, je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout, mais je ferai une mission, la première mission de l'extension Extrême Préjudice, et vous verrez que finalement en solo c'est pas dénué d'intérêt non plus. Voilà, donc dans cette série de vidéos, dans un premier temps je parcourrai rapidement le background du jeu, de la boîte de base et donc de l'extension. On reviendra ensuite sur le livret de règles de l'extension Extrême Préjudice et des quelques points de règles qui sont pas vraiment ajoutés, mais qui c'est plutôt du réglage, je dirais, dans la jouabilité. Et on reviendra sur les figurines aussi de cette extension. Donc je fais cette série de vidéos d'une part parce que c'est vraiment un jeu qui est excellent, vraiment, je trouve. Mon point de vue, dans la série des Level 7 Omega Protocol, donc il y avait Level 7 Escape, qui est un jeu coopératif, qui a une très bonne ambiance, mais qui avait été un petit peu critiqué, surtout du fait de ses règles. Bon, mais je ne développerai pas le sujet, mais tout ce que fait de bien en termes de règles et de clarté dans Omega Protocol n'avait pas été fait sur Level 7 Escape. En effet, bon, même si c'est pas le même type de jeu, le livret de règles de Level 7 Omega Protocol est pour moi vraiment un modèle à suivre en termes de présentation, de clarté, de voilà, message. On pourra en parler éventuellement en fin de cette série de vidéos. Donc on avait Level 7 Escape, Level 7 Omega Protocol, et il y a également un jeu qui s'appelle Level 7 Invasion. J'ai pas encore craqué, mais il est possible que j'y vienne. Bon, ça sera un sujet à venir éventuellement. Pour ce qui est donc de la présentation générale du jeu, des règles, etc., je vous renvoie très fortement vers la série de vidéos qu'a faite Belgian Guy. Qui a permis de présenter, de développer la fameuse théorie de la diagonale, mais ça on y reviendra lorsque je commencerai donc la mission de l'extension Extrême Préjudice. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Alors pour présenter rapidement le background du jeu, eh bien alors on est dans la science-fiction, série B. Bien cinématographique, hein, on va dire. On va retrouver quelques références. Donc, le background, donc dans les années 50, en fait, les États-Unis, le gouvernement américain a établi un contact avec une race alien qui détient une technologie très avancée et qui sont connus sous le nom de Gin. Donc, le leader de cette race, un brillant scientifique nommé Chronos, est venu donc sur Terre pour essayer de trouver comment on appelle, un soin, enfin une cure pour une peste mortelle qui menace de détruire et de complètement sa race. Et Chronos croit que le médicament à cette peste peut être trouvé avec l'ADN humain, qui semble être très proche donc des Guines. Donc les États-Unis à l'époque sont embourbés dans une guerre froide avec l'URSS, et le gouvernement américain est d'accord pour fournir asile à Chronos et, le plus important, donner accès à sa population et à ses citoyens. Donner accès à Chronos et les donner comme sujet en échange de la technologie Gin.
Donc un groupement secret très puissant qui s'appelle le Majestic 12, Majestic 12, met en place un secret gouvernemental, un programme secret qui s'appelle Aquarius et qui voit la création de plusieurs complexes souterrains classifiés sous top secret. Et pendant plus de 50 ans, Chronos va conduire des expérimentations sur une population. Donc voilà. À la chute donc de l'Union soviétique, à la fin de la guerre froide, les relations entre les Guines et le gouvernement américain se détériorent et Chronos menace d'exposer ce secret publiquement, le secret qu'il a avec le gouvernement américain. Et donc de le rendre donc connu à toute la population mondiale. Donc 24 heures avant l'arrivée de l'équipe, le Disco Team, donc l'équipe de héros qui va essayer d'arrêter Chronos, des sujets ont essayé de s'échapper du complexe qui s'appelle Subterra Bravo. Et donc l'objectif de Disco Team va être d'arrêter tous les suppôts de Chronos, de les empêcher absolument de quitter le complexe. Parce qu'on va voir que Chronos, en fin de campagne, puisque évidemment toutes les missions peuvent être jouées en campagne, va injecter une peste, enfin une espèce de maladie, oui, à des monstres, à des hybrides et des clones, pour qu'ils s'échappent du complexe et qu'il aille contaminer tous les habitants de la Terre. Voilà pour le background du jeu. Donc on a un livret de règles qui est très bien fait, j'y reviens pas dessus. Pour le moment, c'est un modèle de clarté, de présentation. Je trouve que c'est très bien fait. Il est très bien mis en page. Il est assez classe, on pourrait dire. Et finalement, le jeu est sorti en 2014, je crois, fin 2013-2014. Je trouve qu'il garde toujours une belle présentation. Et donc, on a un livret de mission. Donc avec un prologue qui met bien dans l'ambiance du jeu. Et donc, on va avoir 9 missions. 9 missions qui sera donc précédée à chaque fois d'un petit texte de background, hein, de fluff. Et donc ensuite la mise en place et les différentes règles spécifiques à chaque donc scénario. Le genre de plateau que l'on peut avoir. Voilà, on a aussi un petit background de chaque membre de la Disco Team. Une bio, très exactement. Voilà pour le background. Je reviendrai tout à l'heure sur le background de l'extension Extrême Préjudice quand on démarrera la mission tout à l'heure. Alors, pour présenter très rapidement le mécanisme du jeu, donc je ne vais pas faire doublon avec les vues de Belgian Gage, je vous renvoie d'ailleurs vers ces vidéos. Je mettrai aussi les liens du livret de règles, si ça vous intéresse de regarder plus en détail. Donc on va alterner des tours héros, des tours commando et des tours overseer. Donc au tour commando, le héros, le commando qui aura le niveau de commandement le plus élevé attribuera l'ordre d'activation avec ses cartes à chaque commando. Donc moi je ferai une mission tout à l'heure avec 4 commandos. On peut aller devant, ça se joue de 3 à 5. Ensuite,
Une fois que les... qu'on aura signé donc l'initiative, hein, je fais succinctement, hein, j'explique succinctement, chaque commando va sélectionner une carte, ce qu'on appelle stance, qui est un petit peu une carte de posture qu'il va avoir pour le tour. Donc qui permettront d'avoir des caractéristiques de mouvement, de défense au tir à distance et de défense au corps à corps différentes suivant les stances, vous voyez. Donc en gros, par exemple, si on prend le team leader, il pourra choisir d'avancer prudemment, reckless advance et commanding, donc ce qui lui donne des pouvoirs de commandement et d'être qui attribue des bonus aux autres joueurs. Et on a aussi une valeur d'adrénaline qui pourra être dépensée différente suivant la carte Stang. Donc on voit 4, 6, 5 par exemple ici. Donc voilà. J'ai pris juste deux commandos. Donc ensuite, une fois que les cartes stance sont sélectionnées pour chaque commando, on va activer donc les commandos dans l'ordre. En commençant par le 1 jusqu'au quatrième. Voilà, donc comment on va activer? Eh bien, on va prendre des pions d'adrénaline que l'on dépensera sur les cartes stance. On ne doit pas dépasser la valeur max d'adrénaline que l'on peut dépenser. Et on va donc faire des actions qui pourront être donc d'investiguer, de se déplacer, d'ouvrir une porte, d'échanger des objets, d'attaquer. First aid, donc c'est de donner de l'aide à un autre commando et se soigner, il se soigner soi-même. Donc chaque héros va dépenser ses adrénalines. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au maximum, hein. On peut dépenser que quelques pions. Et ensuite, on arrivera au tour Overseer. Donc le tour l'Overseer, lui, ce qu'il aura à disposition, ce sont des dashboards, hein, donc qui sont des pouvoirs qu'il pourra activer. Pareil, donc avec un coût de dépense. Par exemple, ici, garde patrol, pour un coût de 6 pions d'adrénaline, il pourra spawner 2 gardes dans un ennemi passage time. Donc il y a tout un tas de choses. Des clones. Il pourra aussi faire des interruptions. On verra aussi que les commandos peuvent faire des interruptions pendant le tour Overseer, mais il pourra faire des interruptions pendant le tour des commandos, faire une attaque surprise par exemple, dodge, donc forcer des commandos à relancer des dés. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut créer des éboulements, cave-in aussi, faire tomber des éboulements dans le complexe. Tout un tas de choses. Donc ensuite, il pourra activer les ennemis. C'est-à-dire qu'il pourra d'abord, il déclenchera ce qu'on appelle les dashboard abilities. Donc il fera d'abord ici. Et ensuite, il pourra activer les ennemis. Donc il pourra les faire déplacer, les monstres, le plateau, les faire attaquer. Et donc voilà. Lors de la mise en place, l'Overseer aura. Alors, ce qui va permettre d'avoir une rejouabilité assez importante dans ce jeu, c'est que évidemment, bon, les commandos ont une série différents commandos à utiliser qu'ils peuvent choisir avec des caractéristiques différentes. Très, très divers. Vraiment, chaque commando a vraiment des caractéristiques assez marquées. Et sont très complémentaires. On va voir qu'il faut absolument collaborer pour espérer s'en sortir dans ce jeu. Donc ça, c'est la variété au niveau commando. Et la variété au niveau Overseer, eh bien, c'est que quand on verra tout à l'heure, quand on met en place le plateau de jeu, l'Overseer aura à disposition un certain nombre de, par exemple, de portes qui ont des effets. Donc, court-circuit, elles sont fermées,
Il y en a qui nécessitent des clés pour les ouvrir, elles sont bloquées. Bon voilà, tout un tas de. Et encore là, je ne vous les montre pas toutes, c'est celles qu'il y a dans le scénario que je vais mettre en place. Donc il pourra placer à différents endroits sur le plateau, mais c'est son choix, hein. Il pourra les mettre quasiment où il veut, donc ça peut se différencier suivant les parties. Ensuite, dans les pièces qui ne seront pas encore explorées, il va déposer des petits paquets de cartes qui sont choisis, définis par le scénario, mais il pourra aller. Donc des cartes d'exploration, carte room, qui ont des effets d'apparition de monstres ou de différentes. Par exemple, il y a des pièces où il peut y avoir des gaz toxiques, des éboulements, des bouches d'aération dans lesquelles se faufilent les clones. Et donc ces cartes pourront être placées de la même manière, jamais au même endroit, suivant les parties. Donc l'overseer pourra mettre au point différentes stratégies. Voilà, pourra mettre en place différentes stratégies d'une partie à l'autre. Donc ce qui permet d'avoir une rejouabilité qui est vraiment bonne sur ce jeu. On a évidemment le paquet d'investigation, donc c'est le paquet de fouilles en fait, si vous voulez, qui devient d'une bonne taille avec l'extension, les cartes extensions qui ont été rajoutées. Donc ça aussi, ça permet de tomber sur des objets différents à chaque partie. Voilà, donc pour une présentation rapide des principes du jeu. Et donc je vais passer tout de suite à la présentation de l'extension, ce qu'apporte l'extension Extrême Préjudice. Et on passera directement ensuite à la première mission de cette extension. Voilà, je vous dis à tout à l'heure.